Abdoul, Bonsoir. tu vas parler ou bien on va donner la parole à quelqu'un d'autre? Abdoul. Je t'écoute. Oui, tu m'as dit Oui, je t'écoute. Non, j'ai dit à Aboulay qui était excité, qui n'écoute pas son micro. Aboulay. Et puis toi, tu t'appelles. Oui, bonsoir. Il faut parler. C'est toi qu'on écoute actuellement. Ok. Bon, je vais le descendre, comme ça, il va se calmer en bas. Voilà, Abdoul, parle. On te donne la parole. On n'est pas la bouche des questionnaires. Parle et puis on va t'écouter. Oui, c'est ce que je disais là-haut. Tu m'as dit que non, que c'est 173 réfugiés qu'ils ont rapatriés au Burkina, ça. C'est ça que je t'ai dit. Si tu dis ça, ils ont commencé hier, non. C'est ça, il dit dans 6 millions d'habitants, tu vois que c'est rien ou bien? Non, on n'a pas dit qu'on va rapatrier. On a dit que c'est des réfugiés qui étaient là, 55 000, comme le ministre de l'Intérieur avait annoncé depuis après la CAN. Donc sur les 55 000, il y a 173 qui sont partis. C'est peu, oui. Bon, mais les autres aussi, parce que c'est 55 000 qui a été annoncé. Qui doivent retourner au Burkina Faso. Voilà. Je crois que c'était tous les Burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire qui voulaient rapatrier au fait. Abdoul. Oui, mais les autres janvier, quand ils ont décidé de créer AIS, à partir du mois de janvier prochain, voilà. S'ils sont sortis, non, il veut savoir. En fait, il veut savoir, c'est tous les Burkinabés qui décident de prendre Abdoul, bon, non, d'accord, Abdoul. Il faut le faire briefing rapidement, ici au téléphone. Voilà, bon, Abdoul, oui. Abdoul, c'est pas que nous voulons, hein. nous demandons simplement, toi tu es Burkinabé, non? Je suis Burkinabé, bien sûr. Tu devrais lancer l'appel à tes concitoyens de rentrer au Burkina, la nation vous appelle. Pour votre pays a besoin de vous. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Tout va bien au Burkina? Déjà, bah, non, Teddy, attends. Tout va bien au Burkina. Attends. Regarde ce que tu es en train de dire. Tu m'as dit que tout va bien au Burkina. Je te pose la question. Tu me poses la question. Moi, je te dis que nous sommes en guerre avec les terroristes. Tu me dis que non. Mais tu es en guerre. Mais c'est ton président Ibrahim Traoré qui l'a dit. Ton président Ibrahim t'a dit. C'est lui qui a dit tout va bien. N'a pas situé où sont les terroristes ou bien? C'est que tu oublies, il est venu pour quelle raison d'abord? Pour comprendre d'abord pourquoi il est pour venu. Pour chasser les terroristes. Ouais. Non, c'est parce que ça n'allait pas qu'il a fait. Attends. Non, il est venu pour chasser les terroristes. Quelle année là? Nous, on n'est plus dans ça. Nous, le temps qu'il fait à la tête du Burkina, ça ne nous intéresse pas. C'est qu'il veut comprendre, dès qu'il vient, automatiquement c'est fini. C'est parce que ça ne va pas qu'il est venu. Non, actuellement, il dit les terroristes sont plus au Burkina ou bien tu n'as pas l'information? Tu dis quoi? Ibe dit, les terroristes là, ils sont plus au Burkina, ils sont au Bénin, en Côte d'Ivoire. Il a dit qu'il y a des camps. Il dit qu'il y a des camps. Donc il a dit non. Ou bien il n'a pas dit. Oui. Pour déstabiliser le Burkina Faso. Maintenant donc. Ce qu'il a dit. Attends d'abord. Oui, maintenant le Burkinabé fait quoi en Côte d'Ivoire alors? Si c'est tel que. Écoute, ce qu'il a dit là. C'est qu'il a dit, peut-être que ce sont les Burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont en train de manigancer ça. Il n'a pas indexé les Ivoiriens. Non, on n'est pas dans le peut-être. Maintenant, dès lors que. Toi, tu soutiens IB, non? Mais je soutiens IB de ses questions. Ah, les gars, Mosson, il y a envie de réagir. Tu soutiens IB. Maintenant, IB te dit qu'en Côte d'Ivoire, là, on forme des gens pour aller s'attaquer au Burkina. C'est pas mieux que les Burkinabés qui vivent là doivent rentrer pour aller sécuriser le Burkina? Vous cherchez quoi en territoire? Est-ce que ce qu'il a dit là, est-ce qu'il a dit que ce sont les Ivoiriens? Est-ce que Ibe n'a pas traité que la Côte d'Ivoire est un territoire ennemi du Burkina? Ibe n'a jamais dit ça. Ibe n'a jamais dit ça. Ben, elle est à la frontière là. Tu es en train de fatiguer, on va perdre le temps. Bon, Abdoul, tu vois bien que quand tu viens, faut dire merci à la Côte d'Ivoire. Moi, c'est pas en Côte d'Ivoire, moi, je suis au Burkina. Tu étais bel et bien en Côte d'Ivoire, le frère. On ne peut pas cacher le soleil. Si tu n'as pas dormi en Côte d'Ivoire, tu ne peux pas parler français. Mon frère, Bonsoir. Écoute. Oui, j'étais en Côte d'Ivoire. Moi, je ne mets pas le. Vous devez rentrer, si vous malhonnête, Abdoul. Non, mais on s'en va, mais c'est un peu rentrer chez toi. Tu n'as même pas l'honnêteté. Tu n'as même pas l'honnêteté. Tu es malhonnête. Ben, écoute.
Est-ce que quand je suis monté là, moi j'ai parlé mal de la Côte d'Ivoire? Mais tu n'as, mais parce que tu es ingrat, c'est pour ça que tu es ingrat. Non, 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 on n'a pas besoin de soutenir de la Côte d'Ivoire. Écoute-moi, tu soutiens quelqu'un derrière qui fait derrière le travail pour toi. Mais est-ce que toi, on a je soutiens mon président. Donc, tu, quand tu le soutiens là, tu as déjà parlé mal de la Côte d'Ivoire, le frère. Ah, tu vois, tu vois, tu vois, tu vois, tu vois, tu voilà, vois. Donc, voilà, c'est tout, c'est tout. Au fait, toi, tu soutiens IB là. Attends, écoutez, les gars, mais c'est ça qui vous a fait mal, non? En soutenant IB, demande à tes parents automatiquement de rentrer au Burkina. Tout simplement, c'est ce qu'on attend de toi, hein. Mais pourquoi toi tu veux même, que tes parents restent vivent en Lyon, quoi, tu vois? Vous me laissez parler, vous me laissez parler. Actuellement même là, en Côte d'Ivoire là-haut, c'est pas tout le monde qui soutient Alassane, hein. C'est ça, non? C'est pas parce que je soutiens pas Alassane. C'est pas vis-à-vis du Burkina. C'est pas parce que, attends, écoute-moi, c'est pas parce que je soutiens pas Alassane. C'est pas tout le monde qui soutient. C'est pas parce que je soutiens pas Alassane. Quand tu parles de président Alassane, faut ajouter président dessus. Non, on parle de politique. Moi-même, c'est mon président. Moi-même, c'est mon président. Moi-même, là, je suis ton président. C'est Ibe qui est ton président. Ton président, là. C'est Ibe Poukounapou. Voilà, c'est tout. Moi, il ne sort pas sur truc pour insulter Alassane. Il ne peut jamais l'insulter. Mais IB fait bon. Ça déjà pour toi, tu n'as pas besoin de le faire. Tu as déjà encore à la salle, panel là. Tu as compris? Bon, d'accord, on va. Ici, on va la question est excellente. On voilà. Va essayer d'avancer. C'est ça, je dis. Alors, là, on va essayer d'avancer. Alors, Abou, tu as parlé, on t'a écouté. Maintenant, je dis maintenant, vous êtes des ingrats. Parce que nous, on vous est dans d'autres pays. Comment c'est ingrat? Oui, oui, mais vous êtes ingrat parce que tu es incapable de remercier le pays qui t'a accueilli et toi et tes parents. Tout à l'heure, tu fais croire que non, toi, tu es au Burkina. Pourtant, là, c'est les Burkinabés qui sont nés. D'accord, c'est les Burkinabés qui sont nés en Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi vous avez cet accent-là. Donc, maintenant, là, on vous dit maintenant que les 6 millions dont tu as parlé, là, peut-être c'est ça ton inquiétude. Mais très bientôt, eux, là, on va faire face à eux. C'est-à-dire le mois de janvier prochain 2025, là. On va faire face à eux. Parce que beaucoup vont rentrer, beaucoup doivent peut-être avoir permis de travail. Et puis, cadre de séjour en Côte d'Ivoire. Vous êtes tous des ingrats. Maintenant, on vous dit, puisque l'IB, ce n'est pas nous qui l'avons dit. IB a dit que le Burkina, ça va, que le Burkina est stable. Donc maintenant, on vous dit, maintenant, puisque votre pays est stable, rentrez chez vous. C'est tout ce qu'on vous demande. Alors, Razman. Oui. On vous écoute maintenant. Voilà. Mais est-ce que je pourrais parler ? Non, pardon, il faut laisser comme ça, monsieur. Vous parlez que ce président-là, le président Ibrahim, qu'il n'a pas, il a fait ce quoi, qu'il ne mérite pas d'être président. Il ne mérite pas d'être président, mais il est déjà être président. Ça, c'est notre président. Ça, c'est pas on notre problème. D'être... Ça, c'est un vous, Burkinabé, là-bas. Voilà, ça ne peut pas être votre problème. Ça ne peut pas être votre problème, même. Alors. Bon, ça ne vous inquiète pas. Maintenant, Ibe, quand la manière qu'il réagit, là, c'est ça même qui nous plaît. On les aime comme ça dans être et être manière que vous êtes. Faut te calmer, tu vas parler français, on va attendre. Faut te calmer. C'est pas grave. Oui, moi, je ne comprends pas français. Moi, je ne suis pas français. Toi, tu comprends français. Tu ne vas jamais être français. Faut te calmer, on a compris. Voilà, Ibrahim, c'est un dit attaque. Oh, bon. Alors, mon ami, tu vas avaler ta langue. Faut te calmer un peu. Tu vas parler, on va comprendre. C'est quoi? Faut te calmer. Tu es excité là. On ne sait même pas si tu parles mourir ou bien, je ne sais pas quoi. Donc, va expliquer. Faut te calmer, tu vas parler. Est-ce que voilà. Vous avez remarqué que tous ceux qui montent là, ils soutiennent le président, tu vois? Donc, ce qui veut dire bon, comprendre. Abdul, faut attendre d'abord. Faut te calmer. Eh, Razman, on vous écoute encore. Et réactivez votre micro. Razman, on t'écoute maintenant. Ce qui Ibrahim est en train de faire là. On a commencé à dire à Rockmal Kabore de quitter Sédiao. Parce que comme lui, il était président de quoi, de vote là, il ne pouvait pas faire ça.
Voilà pourquoi Dabiba est venu. Il n'a pas pris nos sommets. On l'a dégagé. Voilà, Ibrahim est venu. Si vous n'êtes pas capable de dégager votre président de vote là, et puis vous êtes là-bas, et puis tout votre soldat, ils ont couru tirer dedans. Nous, on ne sommes pas comme vous. Parce que nous, on prend nos destins. Ce ne sont pas mêmes. Parce qu'on sait que là-bas, notre armée avec votre armée n'est pas même. Dans nos populations, ce que nous on demande, c'est ça que votre armée avec notre armée ne sont pas mêmes. Dans nos pays, c'est que les populations vivent. Arrête de comparer l'armée. Arrête de comparer. Vous êtes en train de dire allez. Bon, voilà, il a fait ma soirée ce soir-là. Oui. Vous êtes en train de dire beaucoup. Bon. Ah, bon, c'est, en tout cas, c'est ça. Hein. Que vous voulez, vous ne voulez pas. Nous, bon, notre président. 2024. Qu'il soit pour Tissot, il ne soit pas pour Tissot, on a besoin de lui pour arranger. Vous êtes en Côte d'Ivoire là-bas. Aujourd'hui, au Burkina, on vous a dit que ça va. Est-ce que vous nous avez compris? Ceux qui sont là-bas, là, ce ne sont pas des réfugiés qui sont en Côte d'Ivoire, ce ne sont pas des Burkinabés. Non, ce ne sont pas des Burkinabés. Allez-y visiter. Si vous connaissez l'endroit qu'ils ont là, allez les visiter. Parce qu'il y a Mossi là-bas. Il y a des gueulards là-bas. Bois un peu des hommes comme, faut te calmer. Mais Yendere, ce sont des terroristes qui est fi rentrés là-bas. Ce sont des terroristes. Vous dites, ceux qui sont fi rentrés en Côte d'Ivoire, vous dites que ce sont des quoi? Refus. Ce ne sont pas des Burkinabés. C'est eux qui sont des terroristes au Burkina. Même si ils sont venus, on va les. Azman, on est trop bien. Vous allez faire quoi? C'est Azman, on va les tuer. Il y a un problème de réseau. Moi aussi, si y a Djoula, ils ne sont pas des Burkina. Est-ce que vous me comprenez? Bonne motion. Parce que comme vous êtes Azman, si les rats rentrent au Burkina, vous allez les tuer. Mais Abdoul est là-bas déjà, hein. Mais ils sont déjà là-bas, ils sont à Yendere. Il faut aller les tuer là-bas. Vous ne l'avez pas encore fusillé. Je suis ici à Trollo, il y a longtemps, depuis 2019, je suis ici. Peu importe, tu viens de la Côte d'Ivoire, donc normalement, on doit t'arrêter. Lui n'a pas refusé. Il n'est pas refusé. Les vrais Burkinabés refusés là, même si ça sauve là, ils ne sont pas. Les vrais refusés au Burkina là, même si ça sort dans l'air, là, elles ne sont pas au Burkina Faso. Bon, Yendere, tu peux m'écouter un peu. Razman, écoute-moi. Alors, comme tu dis que s'ils vont rentrer, vous allez les tuer là. Mais est-ce que tu ne peux pas te déplacer comme tu es un VDP? Tu peux aller à Yendere, les 163 qui sont arrivés depuis hier là, où ton gouvernement est en train de se plaindre là. Il faut aller les fusiller, pourquoi tu ne vas pas les fusiller aussi? Il faut aller les fusiller. Dites-le de devenir. Dites-le de devenir seulement. Ils sont déjà là-bas. Pourquoi tu vas pas les fusiller? Même s'ils sont venus, ils vont pas comporter comme ils sont en train de comporter là. Ah mais c'est toi qui as dit comportement d'avant là. Parce que vous êtes là en train de dire que ce sont des refusés. Vous parlez de tout le temps. Alors que ce sont des refusés. Mettez ça dans votre compte. Ce sont pas des refusés. C'est ceux qui sont des terroristes. Voilà pourquoi vous voulez les bâtir. Ils ont. Quels gens à l'école? Allez-y à l'école, c'est bon pour vous. Ça, tu fais quoi? Comme arrêter vite. Quels gens à l'école? Regardez, français que moi j'ai en train de parler avec vous, français que j'ai en train de réaliser avec vous comme ça. Moi, je n'ai jamais été à l'école. Hein. Mais chez qui je gagne un peu là, je remercie Dieu pour avoir exprimé ça. Français là n'est pas de problème. Attends, franchement, là, n'est pas de problème. Moi, avec toi, si on se voit en réalité là. Razman, c'est là-bas, peut-être même, tu vas me respecter. Et franchement, n'est pas de problème. Toi, tu es né en brousse. Écoute, c'est en Côte d'Ivoire. Pour en brousse là, ça c'est le problème de ton papa. Pour garder en brousse, ça c'est le problème de toi. Même si moi je ne suis pas allé à l'école, moi je suis intelligent, je ne suis pas bête. Non, pourquoi toujours vous avez accusé que l'autre.
Pourquoi toujours vous êtes là à dire que le personnage Ibrahim, il est, si on dit attaquant, Ibrahim il est attaquant des années. Il est attaquant, il brûle tellement. Vous avez pas, vous parlez de lui par le temps. Il faut te calmer. Il est attaquant des années. C'est un TikToker. Faut te calmer, on va te comprendre. Faut te calmer. C'est un TikToker. Alors, Rasman, faut te calmer. Comment, et puis vous entendez mes embrouillés. Rasman, si on dit tu vas calmer, on va parler d'IB. Nous, on parle de IB parce que attendez, c'est notre collègue. Jeanne, plaît, c'est notre attendez, collègue. On coupe le micro. Attendez. Alors, Rasman, faut te calmer. On va se comprendre. On est en train de parler pour se faire comprendre. Maintenant, comme toi-même, tu as dit que tu es fier de ton Burkina là. Mais il faut appeler tes compatriotes. Ils n'ont qu'à rentrer. C'est ce que les Ivoiriens veulent. Voilà. Moi, je n'ai pas allé là-bas. C'est elle qui est allée là-bas. S'il veut, il n'a qu'à venir. S'il veut pas, il n'a qu'à aller là-bas. Moi, je suis là. Pourquoi vous vous plaignez maintenant? Ça le regarde là, ça le regarde là-bas. Cas de séjour de 2025 là. Si vous voulez la mettre ça, il y avait cas de, il y avait visa pour aller en Europe. On a commencé à rapatrier. Pourquoi vous vous plaignez maintenant? Pourquoi vous vous plaignez? Pourquoi? C'est ça ma question. C'est pas cas de séjour. On dit vous avez 55 000 réfugiés qui doivent rentrer au Burkina. Maintenant, on a commencé hier. On a envoyé 173. Pourquoi vous c'est ça que je vous ai dit, que ce sont... C'est ça que je vous ai dit, mais vous n'avez pas compris, ce ne sont pas des Burkinabés. Aïe! Parce que la réalité, vous ne sont pas ici, vous ne connaissez pas les circulations. À tel que là, c'est nous qui connaissons. Il y a des zones qui disent que... Non, je suis choqué. Non, je suis choqué, vraiment, je suis choqué. Non, moi, je suis choqué. Il parle parce qu'il faut parler. Non, je suis choqué. Parce que vous n'êtes pas au Burkina, vous ne voyez pas la réalité, ce qui se passe au Burkina. Mais on voit quelle réalité. Nous, on parle de chez nous. Maintenant, je suis choqué. Donc, toi-même, on pensait que tu étais un peu intelligent. Toi, tu es un grand Burkinabé. Bon, Rasman, faut finir. Faut chuter, on va donner la parole à quelqu'un d'autre. Quand tu me dis que c'est un grand, ça me fait rire. Parce que nous, on t'a accueilli chez nous. Maintenant, tu dis que tu es au Burkina. Rasman. Pourquoi tu as chuté de la parole à quelqu'un d'autre? Non, allez, oui, là, c'est bon. Moi, on n'a pas réseau. Donc, c'est un VTP. Il est dit, allez, là, vous n'avez pas. Comprenez, moi, je ne suis pas VDP. Écoutez-moi, moi, je ne suis pas VDP. Hein. Mais c'est que moi, c'est que je fais la même, c'est plus que VDP. Parce que vous êtes en train de parler IB. Ce n'est pas problème de IB. Ce qui IB est en train de faire, ce soit. Pour moi, c'est plus que VDP. Parce que tu es VDP, pour quelqu'un d'autre. Bon, VDP, c'est pas celui qui prend armé sur moi qui est VDP. Nous, tous les Burkinabés qui sont fiers d'être Ibrahim, sont tous VDP. Parce qu'on fait toujours des contributions pour donner à VDP pour payer Aram. Vous dites que Burkina n'a pas développé, alors que tout ce que nous faisons ici là, on ne prend pas aide. C'est le Burkina même qui le fait. Voilà. Que Burkina n'a pas développé, il est développé. Tout bon, ton mot de fin là, fait, tu vas accueillir tes frères Burkina chez toi, oui ou non? Et ton mot de fin, on va donner la parole à l'Afrique. Ton mot de fin. Tu es prêt pour accueillir tes frères Burkina dans ton pays? Il y a de beaucoup de ça. Il y a de beaucoup de. Pourquoi pas? Si ce sont des Burkinabés. D'accord. Ah, mais c'est des Burkinabés. D'accord, bref. Il faut couper ton micro. On va te donner un deuxième tour de parole. Il faut couper ton micro d'abord. Parce que tu as un problème de réseau. Voilà, merci.